Hey Salut YouTube, c'est Bazon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série. Alors, vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui suivent Minecraft History, ça va revenir, il faut juste que j'avance un peu sur, le... sur les épisodes, mais ça va revenir, il n'y a pas de souci. Donc, nous sommes sur un nouveau serveur. Alors, je suis désolé, c'est tout noir là, mais je vous mets des petites images de fond en même temps. Hein. Euh, je, vous tourne le... je vous tourne cette vidéo juste après. Le premier live et donc euh, vous allez avoir en fait à la fin de chaque live euh, qui sont donc sur Twitch hein, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch vous avez le lien juste au dessus et à la fin de chaque live en fait vous allez avoir un épisode qui va être fait et donc comme ça je pourrai vous sortir des épisodes assez régulièrement que vous dire de ce serveur nous sommes sur le serveur Volt Hunter SMP parce que attends il faut que je me ressouvienne du nom parce qu'il est assez long. Volt Hunter SMP FR voilà. Alors il y a eu une précision en fait du FR tout simplement parce que Volt Hunter SMP existe déjà. Donc voilà désolé je cours un peu j'essaie de ne pas me faire tuer mais je suis entouré de squelettes et c'est très très mal parti je pense que je vais mourir maintenant voilà. Bref c'est pas grave j'irai chercher mon stuff. Tout ça pour vous dire que super quand même non? Hey. Dans l'épisode, vous avez une mort. Génial. Bref, c'est ma deuxième mort, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que Volt, S Volt SMP Comme vous voyez, je vous montre ça directement. C'est un serveur communautaire, pas du tout communautaire, pardon, un serveur de streamer qui euh, regroupe pas mal de monde. Donc, nous avons IPierre, Gil, Jimmy, Ika, ML, Lucide, Punk, Smithies, Mapper, Cold, Goldown, moi-même. Red Tox, Lorello, Nimbus, Tungsten, Max, auxquels il faut ajouter euh, NEMS en plus. Et je crois que nous avons... Oui, c'est ça. Il y aura peut-être une ou deux personnes qui vont rejoindre le serveur d'ici là. Mais voilà. Euh, Qu'est-ce que Vault Hunter Vault Hunter, en fait, est un serveur... Enfin, c'est un mode de jeu, un mode pack, qui est orienté sur le RPG Action. Voilà. C'est en fait, on est dans un monde classique, hein, d'accord, où on a qui est modé, donc il y a pas mal de choses, etc. Et on va avoir un système de vault, vous voyez les petits portails qu'on voit juste ici. Et donc, le système de vault en fait va permettre d'avoir du stuff, va permettre d'avoir aussi des items qui vont nous permettre de débloquer un accès à certains modes. Euh, donc il y a du create etc. Il y a plein plein, plein de modes dans le jeu. Donc c'est vraiment sympa. C'est Smithis qui a eu l'idée de créer ce serveur parce qu'il joue depuis pas mal de temps à ce mode pack qu'il adore. Et donc il nous a un peu tous donné la hype par rapport à ça. Et, euh, et puis voilà, donc, euh, donc on est sur le serveur. À l'heure où je vous parle actuellement, le serveur est ouvert depuis hier. Je vous avoue que moi, ça s'est passé pas oufissime. Je vous ai fait quelques clips pour vous illustrer tout ça. Mais euh, qu'est-ce qu'on a fait pour le premier live Je vais vous expliquer pour le jour 1. On va partir sur des, des nombres de jours, ça peut être sympa. Et donc, ce qu'on a fait pour le jour 1, euh, on a essayé de rejoindre déjà une petite communauté qui avait déjà joué. Donc, euh, je parle de Ariux. Et de... Euh, alors normalement je crois qu'il y a Ariux, Red Tox, Lorelo et Ika, voilà, qui sont euh, au même endroit. Et donc ils m'ont dit, bah vas-y, rejoins-moi. Voilà. Donc on a un livre de quête dans le jeu. Bon on va quand même récupérer tout ce qu'on avait avant. Voilà, c'est pas encore là, non. On y est presque. J'ai récupéré mon stuff comme vous, voyez de voir, comme vous venez de voir, pardon. Donc parfait. Alors, je vais vous montrer un peu. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est le livre de quête. Alors, je vous avouerai que j'ai joué 3 heures aujourd'hui et ça s'est pas forcément bien passé. Alors bon, je suis mort, mais ça, vous avez l'habitude, tout va bien. Le truc, c'est que en fait, il y a un élément qui est essentiel au début du jeu. C'est ce qu'on appelle les chromatiques Iron. C'est ce que vous voyez actuellement. Et euh, c'est assez rare, mais ça se trouve quand même assez facilement, on va dire. Voilà, j'ai des viewers qui ont commencé aussi en même temps, ils ont eu au bout d'une heure, une heure et demie, même pas quoi. Il y en a même qui les ont eu au bout de 15-20 minutes, c'est très rapide à avoir. Bref, il y avait une première quête à la con, je sais plus du tout ce que c'est, mais c'était rien d'intéressant. Et donc le deuxième, donc là on est vraiment juste au deuxième, comme vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça c'est juste pour l'introduction. Ah bah tiens, je l'ai là, voilà. Je ne savais plus ce que c'était. En fait, le premier c'était juste bah, lire, faire OK. Et on avait gagné de la bouffe, on est content. Et ensuite, c'est bon, bah, le deuxième c'est facile, il faut trouver des chromatiques iron. 3 heures. 3 heures et 32 secondes exactement, voilà, sachez-le. 3h et 32 secondes pour trouver mes premiers. Non, c'est True Squartz. Timmy qui se balade dans le Nether. Alors, il en faut malheureusement euh, 16 ou 24, je ne sais plus. Il en faut 16, donc après il faut m'en donner 24, donc ça c'est cool. Et pour l'instant, j'ai réussi à en avoir 10. Voilà. Donc euh, c'est donc pas pour tout de suite. On va continuer à creuser, etc. pour pouvoir récupérer un maximum de choses. Mais voilà, pour l'instant je suis bloqué. Donc euh, voilà ce qu'on a fait. Euh, pour information, vous voyez, j'ai du stuff en fait qui est sur moi. Euh, on va remercier Ariux, voilà, qui m'a vu un peu en PLS et qui m'a dit, bah écoute, si tu veux, moi j'ai du stuff que je plus. Donc du stuff qu'on qu peut utiliser lorsqu'on est Volt niveau 0. Comme vous voyez juste là-bas juste au-dessus de ma mes petits, euh, petits gigots en fait on a un petit zéro vous voyez donc en fait c'est juste que moi j'en suis à volt 0 c'est à dire que j'ai fait ok encore aucun volt pourquoi bien sûr pour faire des volts bah volt altar je pense volt cristal voilà et c'est là qu'on va commencer à faire des volts voilà volt hunting vous voyez c'est ici qu'il faut que j'aille voilà, donc pour l'instant on est au premier, donc on avance tranquillement, c'est un peu compliqué, mais voilà, donc euh, en tout cas j'espère que cette, euh, ces petits résumés on va dire de live, mais qui sont faits vraiment après, donc ça c'est quelque chose que vous ne verrez pas en live, ce que je suis en train de faire, et ce que je suis en train de dire, donc j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à venir hein, vraiment sur les lives, c'est là où vous verrez vraiment tout, ça, paraît, ça peut paraître long en fait, de, vous dites « toi, ouais, c'est pas grave, tiens en 5 minutes bah, je sais ce qui s'est passé », mais les lives c'est sympa, on discute, on parle de plein plein de choses, donc venez sur Twitch. Voilà, le lien est en description, mais vous avez le petit lien ici, vous avez juste à aller dans la barre Twitch et taper bason, il n'y a que moi. Voilà. Euh, merci à tous en tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour le résumé du jour 2. De... Ciao ciao.